casque là, si on met, on ne saura pas que c'est moi. Mais si on ne met pas aussi, vous allez parler. Donc, on met ou bien on ne met pas. Casque là, on met ou bien on ne met pas. Pour une publicité, normalement, si on met, vous n'allez pas savoir c'est qui est derrière la moto. Voilà. Mais si on ne met pas aussi, donc on va mettre et puis après on va enlever. Voilà, c'est comme ça on va faire. On va mettre et puis on va enlever. Voilà. Et nani ngamia, yolo yaki. Anjulon diamana donc abo. La nouvelle moto win. Et puis on va laisser les sapeurs faire leur jeu. Dès que tu viens, tu dis le truc fait que terminé. Terminé, puis tu appuies. Seulement blablabla, hein, vous savez, mais c'est important de la répétition est pédagogique. Voilà. C'est important de vous répéter qu'il faut se protéger. Mesdames et messieurs, souffrez de mon masque. On parle de masque, non, c'est qu'elle a là. Les gens pensent qu'ils mettent masque. Oh là là. Dadi Muniro, Mourinho. C'est pas petit masque. Mettez la cœur si vous êtes en jeu de mon masque. Ouais. C'est pas le petit. Pivuriro, Voro. Pouvorira, Pura. Pura, la, li, lo, la. Et ce qu'il faut, c'est la protection. Hein. Voilà, Yves Roland JJ, notre système. Bon là-bas, c'est le moment qu'elle a. Hein. Faut se laver les mains autant de fois par jour. Vous savez, on peut pas bouger. Voilà, tout est fermé. Le seul truc qu'on peut venir faire, c'est de se mettre en direct pour vous enjailler. Voilà. Il y aura beaucoup de directs. Moi, je vais faire des directs parce qu'il y a un prochain morceau qui a sorti dans quelques heures. Voilà. En même temps, tout ce que vous devez savoir, vous allez savoir. Chakou, il t'a demandé de me trouver un masque. Tu ne m'as pas trouvé le masque. Vas-y, moi, j'ai trouvé mon masque. On voit les désinfectants. Bon, le masque là, ça me fatigue maintenant. Les gars, ne jouez pas le mouvement. Ce qui est là, là, ne jouez pas le mouvement. Voilà, faut prendre ça au sérieux. La prière est là. Oui, c'est vrai. Mais faut être prudent aussi. Vous voyez un peu le système là. Ce qui me plaît, c'est que c'est dans le moment que les gens connaissent Dieu. Que Dieu, genre. Que Dieu va faire. Que Dieu va faire. C'est dans ce moment-là que les gens connaissent Dieu. En tout cas, soyons prudents, soyons, restons en alerte. Pendant ce temps, comme j'ai dit, on ne peut pas faire la promo, mais voilà, nous, on essaie de vous égayer comme on peut. Essayer de vous ambiancer, quoi. Je vais tourner One Way dans pas longtemps. En alerte. Moi, je ne connais pas rester en alerte, mais je sais qu'il faut se brosser pour avoir une bonne alerte. Voilà. Bon, restons en tas. Oh là là. Mesdames et messieurs, ici le BBP. Bon, aujourd'hui, on va apprendre quelque chose parce que normalement, dans chaque direct que je fais, il faut qu'on apprenne quelque chose. Je ne peux pas faire des directs et puis juste venir me montrer, voilà, raconter ma vie. Aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est qu'un arrangeur. Voilà. Je vais donner la définition d'un arrangeur dans ce direct.
Si vous êtes branché, vous mettez on the track. Si vous voulez savoir la définition. Un arrangeur est celui qui vous fait du bien. Un arrangeur est celui qui est beaucoup critiqué. Parce qu'au moment de partager la gloire, il y a problème souvent. Mais l'arrangeur est l'élément qui est le moins en vue. Celui qui finalise. Attention. Max, il ne faut pas. Tu tousses, hein? Fire! In the name of Jesus. Bouillata. Bien sûr, au studio, Max, et puis il commence à tousser. Ah, Joe. Voilà. Mesdames et messieurs. Donc je disais, un arrangeur, c'est celui qui, à partir d'une mélodie, agence plusieurs instruments de sorte à ce que ce soit. De sorte à ce qu'un chanteur ou un orchestre puisse interpréter. Voilà. Donc, c'est-à-dire, soit tu viens avec une mélodie, et moi, je fais les harmonies. Je harmonise ton truc, je fais la structure, j'embellis tout ce qui est rythmique. Je finalise. Voilà. Le tout. Peut-être dans un autre direct, je vais aller beaucoup plus en détail. Donc, c'est celui qui, à partir d'un petit bout de mélodie, arrive à créer. À faire une orchestration, vous voyez un peu, non? Voilà. Orchestrer, c'est harmoniser chaque instrument. Ligne de basse, ligne de ta-ta-ta-ta-ta-ta, voilà, ainsi de suite. Et quand on finit cette étape, le morceau est bouclé. Ça va maintenant chez l'ingénieur de son, l'ingé son. Mais malheureusement, ici, de notre génération, il n'y a pas assez d'ingé son. Du coup, moi, je me suis intéressé un peu au son. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas diplômé. Mais je me suis cultivé, j'achète des formations, j'arrête pas d'apprendre, raison pour laquelle vous avez ce genre de son. Voilà. Quand je peux partager des moments avec des jeunes, je partage les échanges en fait. C'est ça qu'on appelle l'humilité, c'est de rester à jour, de pouvoir demander ce que tu connais pas, de pouvoir t'intéresser à ce que les autres font. Vous voyez. Donc j'exhorte tous les miraculeux à être pareil, à faire pareil. Voilà, quand tu ne maîtrises pas, il faut avoir l'humilité de pouvoir demander. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a appris. Dans quelques jours, on va apprendre d'autres choses. J'avais rendez-vous avec les miraculeux le 28, mais ça n'a pas été à cause de la situation qui prévaut. Mais je pense que ça sera relancé. Uniquement avec la parole. Si quelqu'un a une parole, non, si quelqu'un a une parole, il faut qu'il puisse mettre dessus la mélodie. Voilà. Si tu as juste un texte, c'est le texte, les paroles plus la mélodie sur les paroles qui font là le chant. Vous comprenez un peu le système. On va casser les papos. Venez, posez-moi vos questions. Et il faut qu'on en parle. L'affaire des coronavirus, c'est pas à négliger. Il faut prendre les choses au, sérieux. Moi, mais je comprends plus le français. Mon mec, coronavirus, là, c'est important. Celui qui est en France, qui vient en Côte d'Ivoire, il faut s'adapter. On peut pas prendre la culture française. Nous ne dirait pas qu'on a soi. La culture française et la culture ivoirienne, c'est pas la même chose. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, mais c'est juste de la colonisation. Et moi, je crois qu'il faut s'adapter. Quand tu viens en France, il faut s'adapter en France. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, il faut s'adapter. Mais malheureusement, on a l'impression qu'on veut toujours que le comportement, l'attitude qu'on a en France, on veut l'imposer ici. On ne peut rien imposer, ça ne s'impose pas.
on fait des suggestions, on s'améliore. On est un pays en voie de développement. La France est une puissance économique, mondiale, armée, tout. Ce n'est pas les mêmes choses. On ne peut pas prendre comportement de là-bas, confination de là-bas, quarantaine de là-bas pour venir mettre ici. Il y a des gens qui me disent carrément, il n'y a pas papier toilette. Si tu n'as pas eu papier toilette, tu ne peux pas chier. Si tu n'as pas eu papier toilette, tu ne peux pas chier là. Pardon. Faut retourner où on vend papier toilette. Toi, mais tu ne pourrais pas payer papier toilette pour mettre un truc là. Hein? Tu vas ici, on va donner papier toilette comme ça, cadeau quoi. Tu es en quarantaine, tu es en quarantaine, on dit tu es en quarantaine. C'est carême. On ne fait pas jeûne et carême une semaine ici. Nous là, pour se débarrasser des virus là, on a nos manières de faire les quarantaines. Ah mais quand il y a eu quarantaine, on a nos manières, mon vieux. Est-ce que quarantaine des blancs là, c'est la même chose que quarantaine des chinois? C'est pas la même chose. Quarantaine d'Africains, c'est quarantaine. Tu es en quarantaine, tu vas faire jeûne et prière. Allez jeûner, allez prier, nettoyer l'INGS, trouvez-vous des matelas. Et puis, quand vous parlez là, protégez-vous. Vous vous collez, collez, collez. Où vous êtes là, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont le coronavirus. C'est clair, il y en a parmi vous qui ont ça. Vous ne le savez pas. Mais vous allez regardez le gendarme qui était devant vous là. Regardez comment ce monsieur était professionnel. Il parlait calmement, tranquillement. Mais c'est vous là, vous parlez plac, 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 plac. Alors qu'en France là, vous parlez pas plac, plac, plac. Quand les blancs là, ils nous manquent de respect là-bas là, on se tait. Parce que si on parle là, ils vont supprimer notre carte de séjour. Mais quand on arrive au pays ici, on veut dire on force pas, on veut se gonfler, gonfler. Nous ouais, calmez-vous. Chaque pays a sa loi. Et moi je dis, il faut être malin. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, ce qui se passe ici, ce n'est pas forcément de l'injustice. Mais c'est comme ça, ça se passe en Côte d'Ivoire. Petit à petit, on va s'améliorer. On ne peut pas un coup venir comme ça. Quand tu arrives par exemple à l'aéroport, on te dit non, il faut te vacciner. Moi, ça fait 3 ans que je me suis vacciné de fièvre jaune là. Et j'ai toujours mon carnet. C'est important de garder mon carnet. Parce que quand j'arrive, normalement, ils doivent trouver dans la base de données sans mon carnet que tu t'es vacciné. Ils doivent trouver, mais ils n'ont pas la base de données. Du coup, je ne fais pas le malin. Je ne fais pas le malin. Quand j'arrive, j'ai mon carnet. Si je n'ai pas mon carnet, le vieux père qui est devant moi là, je me comporte comme un vrai Ivoirien. Je l'appelle, il dit, ah, vieux Moro. Tu sais que normalement, je me suis vacciné. Hein. Mais tu sais que s'il doit me vacciner encore, il n'y a pas de drap. Mais tu connais, normalement, tu m'as vacciné. S'il n'y a pas de traces de vaccin, moi aussi, j'ai oublié mon carnet. Mais il faut faire s'arranger. Si ça peut me vacciner, tu me vaccines. On s'est laissé. Mais ce n'est pas la peine de venir gonfler, gonfler ici. Non, normalement, on doit garder les traces du vaccin. Normalement, on doit garder les traces du vaccin. Mais il n'a pas gardé traces de vaccin là. Tu fais quoi? Tiens. Tu t'adaptes, tu fais comme en Côte d'Ivoire, ton pays d'origine, tu te fais comme un vrai Ivoirien. Tu vas voir le vieux père, tu dis, hé vieux père, Kané là c'est perdu, mais c'est comment? Faut faire se laisser. C'est signe d'humilité. Ça ne veut pas dire que tu es con. Ça ne veut pas dire que ton pays n'est pas un pays d'injustice. Ça veut juste dire que tu as envie d'avancer. Ou bien, ça veut dire que tu as envie d'avancer. En France, actuellement, il n'y a même plus de masques. Il n'y a pas de gel hydraulique. Hydro quoi? Alcoolique. Hein? Bon. Je vais regarder, je vais écouter un peu les gens. Oui, m'a confiné totalement. Je me suis confiné. Kengango, mini ambiant, ou abefle, badro, escoba, mini ambiant, petit blanc, foyer, ouais. C'est un ami, c'est un petit frère blanc. Voilà, voilà, c'est mon petit frère qui est là. Donc, on confiné, lui. Je suis arrivé depuis le 1er mars. Voilà. Voilà, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus riches. On s'en rend pas compte, on est un beau pays, hein. Hey, notre pays là, il est en taille, hein. Est-ce que vous êtes parti à côté là, chez les voisins là? Et nous on est en tas par rapport à eux, hein? Chez les voisins c'est développé, nous on est surdéveloppé. Si chez les voisins ils sont surdéveloppés, c'est que nous on est surdéveloppé. La Côte d'Ivoire c'est un pays en tas, hein? Mais comme on voyage beaucoup, moi Kouakou, je le connais, j'ai beaucoup voyagé. Les manières de faire aux États-Unis, ce n'est même pas les mêmes choses en France. Hein? Quand tu vis aux États-Unis, tu arrives en France, mais tu vas être choqué. Parce que aux États-Unis, quand tu t'en vas acheter du café comme ça, les gens vont dire, bonjour, vous êtes content? Vous avez pris le café? Are you drinking a coffee? Do you need to... Ah bon, bref. Ils vont te blaguer pour que tu dépenses. En France, quand tu dis, tu veux un café, bonjour, je veux un café. Ah d'accord. Attends, ils viennent te déposer sur la table. Vous êtes content, monsieur? Au revoir. C'est pas la même chose. Tu avais encore une voix ici, tu dis, hé, maman, envoie mon café là. 3 minutes après, elle oublie. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas pas dire qu'elle n'est pas professionnelle, mais il faut faire la manière de Côte d'Ivoire. La manière de Côte d'Ivoire là. Il faut faire. C'est culturel. C'est dans nos sens. On crie encore. Hé, maman, je n'ai pas commandé café. Il y a
te gifler, hein. C'est comme ça on fait. Et puis maintenant elle entend. Et puis elle envoie le café. Pourquoi? Quand tu es en France, tu fais bonjour monsieur, et tu t'assois calmement et puis le serveur vient toi. En Côte d'Ivoire là pour commander manger là. Tu vas dans la cuisine là-bas. C'est pas convenant d'ailleurs. À Kobondo, tu commandes. Monsieur, vous voulez quoi? Je veux riz, sauce aubergine. Tu viens t'asseoir. Tu payes même avant de venir t'asseoir. Est-ce qu'en France, c'est pas la même chose là? C'est pas la même chose. En France, tu manges avant de payer. C'est culturel. C'est différent. C'est pas parce que en France, là-bas, tu t'assois, tu manges, tu es content. Au Foucault, blof, blof, avant de payer, que tu vas arriver ici, tu vas t'asseoir gaillardement avec tes deux testicules gauches pour dire on s'occupe pas de moi. Non! Quand tu arrives en Côte d'Ivoire ici, tu t'adaptes. Tu as compris? Parce que quand tu quittes ici, Côte d'Ivoire, tu arrives là-bas, tu t'adaptes. Les gens, parce que si tu ne t'adaptes pas, les gens ne te calculent pas. Tu t'intègres. Mais pourquoi quand tu t'es intégré en France, tu as quitté là-bas et puis tu es arrivé ici, tu ne te désintègres pas? Faut te désintégrer. Tu as quitté le pays. C'est vrai. Ce côté-là, tu es allé te chercher. Ton lock, ta chance est en France. Tu es arrivé, tu t'es intégré. Est-ce que les gens m'entendent bien? Souvent, mais quand ils posent le micro par terre, bon, tu t'es intégré pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer tes business. Et tu as vu que dès que tu t'es intégré, ton business avance. Maintenant, quand tu quittes là-bas, tu viens arriver ici, il faut te désintégrer. Faut te désintégrer. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas l'eau à boire, il n'y a pas robinet dans l'INJS là. INJS, il n'y a pas robinet. Ici, robinet d'eau là, c'est propre, c'est potable. C'est en France, on ne boit pas l'eau dans robinet. Là-bas, parce qu'il y a calcaire dedans. Ici, robinet d'eau là, il y a l'eau. Prends gobelet ici là, on prend gobelet. Quelqu'un n'est pas ton boy ici. Ici en France là, je crois qu'un repas, on paye plus de minimum 15 euros un repas comme ça. Mais c'est normal que les gens ils s'occupent bien de toi. Mais ici les repas là, c'est pas combien? 500, 300, 1200. Avec 1200, tu veux qu'on aura s'occuper de toi comment? Toi mais vous êtes à vous parler, plac 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 plac. Vous avez payé impôt, vous payez impôt en Côte d'Ivoire? Vous payez impôt? Tout votre argent là, c'est pas en France là-bas? Est-ce que vous payez impôt en Côte d'Ivoire? Éco, c'est sale, gnagnagna. Soyez conscients, vous payez impôt. À me payer impôt. Vous avez une fois sorti 5 francs de cotisation pour votre pays. Jamais. Vous êtes là, vous avez vos business, vous avez vos terrains, vos maisons, vous avez tout, vous payez rien. Et puis vous voulez que votre confinement n'a qu'à être 5 étoiles. Hôtel à Abekundewa. C'est hôtel qui est venu chercher. Hôtel à Abekundewa. Blacola hôtel, nous, Ecovi. C'est 5 étoiles, tu veux. Ils vont te donner 5 étoiles. Aïe. Il faut s'adapter. Bref, on vous dit qu'il faut s'adapter. La manière du pays ici, quand tu prends ta manière, c'est-à-dire que tu ne te décharges pas de la manière européenne, tu as l'impression que ici, les choses ne se font pas bien. Non, décharge-toi de la manière française. Déchargez-vous de la manière européenne. En France, là, tu es assis, courrier vient te trouver à la maison. Courrier, là, il y a souvent information, souvent il y a problème dedans. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, pourquoi on ne stresse pas? Il n'y a pas courrier, problème, tu vas venir te trouver à la maison ici. C'est parce que les gens ils cotisent là-bas, on s'occupe bien d'eux. Ici aussi, tu ne cotises pas. Tu veux que nos cas s'occupent de toi comment? Hein? Moi, tu es bien occupé. Tu as cotisé une fois. Les gens qui travaillent là, ils cotisent, on s'occupe d'eux. Vous n'avez pas travaillé déjà même. On vous l'a laissé rentrer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Un pays qui a une histoire. Qui a un là qu'on ne va pas lâcher, on ne va pas lâcher. Je suis d'accord du fait que si tu es enfant de boss, tu es sorti. Ça, il n'y a pas de logique. Ce n'est pas normal. Mais si tu peux sortir parce que tu es enfant de boss, tu peux donner l'argent pour sortir. Il faut donner, tu as sorti. Au final, moi, c'est un jour. Il faut te désintégrer. Reste à l'abri pour ne pas infecter car il risque de s'infecter. Oui, restez à l'abri. Pour ça seulement, je vous conseille de rester à l'abri. Mais je vous conseille une chose. Ce qui est bien que j'ai testé, vinaigre n'tikpa. Citron, miel, laissé. Vinaigre n'tikpa. Médicament de palu, c'est bon. Si vous pouvez vous piriger, vous pouvez chauffer l'eau chaude, mais sur vous comme au village là pour vous arrêter dans le soleil. N'galenkula n'tikpa. Restez confinés. Ne traînez pas dans les transports en commun. Faites attention. Parce que ce n'est pas une bonne maladie. N'tikpa n'tikpa. Ça, c'est malédiction, ça là. Oui, j'ai annulé mon spectacle. Après, je vais revenir sur le sujet. J'ai annulé mon spectacle parce que je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis battu. J'ai vendu, j'ai souffert pour vendre mes tickets. Les gens, ils ne voulaient pas payer mes tickets. J'ai fait des directs, des stories, des tournées pour vendre mes tickets.
avec toutes les difficultés du monde, Mayomiti Kembiaké, j'ai rempli Genève, j'ai rempli Strasbourg, j'ai rempli, comment on appelle ça, Marseille-Lyon. Avec souffrance, m'a fait ça, j'ai rempli. Et puis à la dernière minute, à moi, à Grignot, en 5 heures, de vous rembourser. Et souffrance que j'ai pris pour souffrir, pour vendre mon ticket là, vous allez me rembourser? Vous n'allez pas me rembourser? Moi, tu es un remboursier. Un remboursement. Là, j'ai pris pour faire ça là. J'ai pris l'argent là, je suis au bord de la plage ici. Ma femme est là, j'ai mis au confinement. Hein? J'ai pris l'argent pour faire confinement. Un remboursement. Au pire, quand je rentre, si tout se passe bien, je refais le spectacle. Vous avez payé pour venir me voir. Moi, j'étais prêt à me montrer. J'étais prêt à me rendre disponible pour que vous me voyez. Hein? Quoi qu'on a moi, on va annuler, on va vous rembourser. Bon, quoi qu'on remboursement. On va refaire le spectacle là après. Aïe, il a remboursé comment? Il a trop souffert pour vendre. Il a vendu ça facilement ou bien? Pour payer là, je suis allé vous convaincre. Pardonnez, venez à mon spectacle, s'il vous plaît. Ils ont payé ticket là à contre-goutte. Ils ont payé un peu. Maintenant, ils ont fini de payer. Bah, qu'on maladie, quand il allait, va venir. Avec toute souffrance qu'il a souffert là. Et remboursé. Bon, mi man, quoi, c'est un remboursé ticket gagne. Porter plainte à mes ouambi soit bien lancez-moi des sortilèges. Il faut mettre en quarantaine tout le monde. Oui, faut pas que le ministre de la santé, faut même pas il va jouer. Tout le monde en quarantaine. Voilà. Moi je sais que quand tu arrives en Côte d'Ivoire pour comprendre les choses ici, il faut se désintégrer. Il faut se désintégrer. Donc si je comprends bien, ceux qui ont l'argent, le résultat de courant vise est négatif. Ah. Sur ce point, je ne peux pas me prononcer dessus. Parce que je ne sais pas si c'est vrai. On n'a pas la preuve que des gens sont sortis. Mais c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Et ça, c'est déplorable. Ce n'est pas juste. Mais peut-être c'est des gens qui ont les moyens de se mettre en quarantaine seuls. Voilà. C'est des gens qui ont les moyens de se mettre en quarantaine seuls. On ne sait pas le deal qui a été établi entre ces personnes sorties indiscrètement de l'aéroport. Et le ministère, ça se trouve, ils ont un coin VIP hôtel 5 étoiles. Ils ont réquisitionné Pullman Hotel pour se mettre en quarantaine, on ne sait pas. Donc, je vais me renseigner. Je vais mener ma petite enquête. Et j'espère que c'est faux. Sinon, normalement, on est tous en danger. Ne saluez personne. Si quelqu'un veut vous saluer, faites Wakanda. Ce n'est pas une bonne maladie. Faites attention, lavez-vous bien. Amétili, ndiretignaule. Non.